Zanmim, par contre, qui plan fait pour 2024? Mais MEODH a rappelé que moun qui rete dans plan bon Dieu pas jamais échoué. C'est sous thème ça que MEODH pral organiser une grosse semaine rafraîchissement spirituel sorti 17 pour arriver 23 décembre 2023 à partir 4h30 dans Aswe. Ah oui, avec pasteur Fredson Widor, live sur toute plateforme MEODH. Fais plan pour là et puis gaie nouvelle là. Parce que sauter pompé, moun qui rete dans plan mon Dieu, pas jamais échoué. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, internautes, nous sommes sûrs et certains, bon Dieu, tu es béni nous pendant la journée. Et nous sommes dans le travail, nous sommes à l'école, nous sommes ici et là dans l'activité personnelle. Nous et après-midi, nous avons une chance, nous avons une opportunité pour nous capables de retrouver nous au pied de la croix, pour nous capables de dire bon Dieu, ça fait longtemps que nous à vivre, mais nous sentir nous ontigeants à éloigner ou nous manquer au bagage. Et c'est raison ça qui fait je dis à nous venir avec péché nous yo qui empile et semaine de prière ça qui fait nous comprendre yon réalité et semaine ça qui et pendant chaque jour thème ça à débattre moun qui était dans plan bon Dieu pas jamais échouer. Thème ça fait nous comprendre que si nous t'a besoin réussir la vie nous, si nous pas t'a remet échouer dans la vie nous, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan spirituel, nous doué
quitter ce bon Dieu qui dirigeait bac la vie. Nous devons quitter, nous entrer dans le plan bon Dieu pour nous pas échouer. Nous connaissons nous font pile bagay qui pas bon. Nous péchons par pensée, par parole et des fois même ça nous pas envie faire. En pile fois c'est lui-même nous fait et c'est lui-même qui vient paraître péché que nous-mêmes nous pas capable river contrôler. Et après-midi à nous prenons la main de bon Dieu pour le capable dit un mot pour nous pour le capable pardonner péché nous yo pour le capable laver nous dans sang Jésus qui t'est coulé à flot sur la croix. Chaque après-midi n'a toujours joindre opportunité ça pour nous capable mander bon Dieu pour le capable prendre nous genouiller là. Hier nous t'ai gain possibilité pour nous te dit bon Dieu garder état nous pour bon Dieu capable prendre nous genouiller et bon Dieu t'ai accepté nous genouiller et jodi a nous pral dit bon Dieu nous envie lever parce que nous senti à genou de pied nous li pa gen force encore la donne parce que nous senti dans sa n'a baignen dans péché n'a baignen nous besoin lever pour nous prendre décision pour nous dire c'est bon Dieu qui capable aider nous camper et pour nous capable faire face à péché ça yo et pour nous capable prendre position nous pour nous capable prendre décision nous pour nous capable servir mettre là lorsque nous lever ça a prouvé que nous gain volonté pour nous capable apprendre prendre conscience de péché nous yo. Le numéro 319 le fait que nous lever nous pas seulement lever et puis camper mais nous pral avancer vers le trône de la grâce près de Jésus je trouve un sûr asile parce que nous connaît lorsque nous déplacer river devant trône grâce là c'est là nous capable joindre et repos et c'est là nous sûr et certain n'ap joindre la vie éternelle qui pas jamais finir près de Jésus je trouve un sûr asile le numéro 319 nous connaissons bon côté bon Dieu nous connaissons tout près papa pour nous capable reposer nous capable appuyer nous capable passer tout temps nous et c'est raison ça après-midi n'a faut connait que quel que soit niveau péché a quel que soit péché à ta rouge tant que le cramoisi toujours rester dans plan bon Dieu pour pas jamais échouer près de Jésus je trouve un sûr asile. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure. En lui, je suis tranquille. Dans ma faiblesse, agit son bras puissant. Près de Jésus. Nul frère, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse. Près de Jésus, je suis béni sans cesse. Allègrement, je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse. Dissipe ma tristesse. Et son amour me donne le repos. Près de Jésus. Nul frayeur, nul frayeur. Nous pas gagnons rien pour nos peurs, nous pas gagnons rien pour nos craintes. Parce que lorsque vous êtes prêt, mon Dieu, il est prêt pour être capable de pardonner le péché, il est prêt pour être capable de laver, parce que vous connaissez bon côté, vous êtes capable de remporter la victoire, vous êtes capable de vaincre. Paisible. Près de Jésus, aux douceurs infinies. Près de Jésus.
ô douceur infinie, Dieu, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie. Dieu, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nul frère, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur. Sous d'accord, sous quoi? C'est dans la présence de Dieu, nous sommes capables de jouer la paix. Nous allons reprendre encore près de Jésus. Près de Jésus, ô douceur infinie. Je veux marcher heureux jour après jour. Marcher heureux jour après jour. Oh, jusqu'à la fin du combat de la vie. Jusqu'à la fin du combat de la vie. En lui goûter un éternel amour. En lui goûter. Un éternel amour près de Jésus. Près de Jésus. Et le frère. La joie est indicible. Près de Jésus. Près de Jésus. Je suis vainqueur. L'âme heureuse et paisible. C'est dans la présence de Dieu, nous sommes capables de jouer la paix et nous sommes capables de sentir que nous en sécurité parce que nous sommes en présence, papa, nous sommes en présence de Dieu. Le numéro 265, dans ma misère et mon péché, ô mon sauveur, tu m'as cherché. C'est vrai, au péché. Ou reconnaître que au péché, mais mon Dieu pas quitté ou, puisque ou à terre, mon Dieu a accepté pour le prendre ou pour le lever ou, ça fait nous faire référence à verset ça qui dit de la poussière il retire le pauvre. Bon Dieu capable prendre, les lever ou, les transformer ou, parce que depuis c'est bon Dieu ou quitté kaji pour ou, depuis c'est non plein bon Dieu ou accepté pour entrer. Ou pas gagner pour peur, ou pas gagner pour crainte. Parce que, ou après réussi, sous quelle que soit forme. Dans ma misère et mon péché. C'est vrai ou péché, mais ou accepter ou péché, ou pas prendre décision pour capable rester dans le péché. Le fait que ou prend conscience ça, eh bien bon Dieu lui-même, il va chercher pour lever, pour laver, pour le pardonner, pour le blanchir péché. Dans ma misère et mon péché. Je ne saurais
tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, enrichis-moi. Nous pas qu'à faire rien sans bon Dieu. Nous pas qu'à gagner la vie éternelle avec qui péché nous yo comme ça. Et c'est raison ça qui fait nous toujours à demander bon Dieu pour le capable pardonner péché nous yo. Nous à chercher pour bon Dieu capable protéger nous au jour le jour. Dans chaque ça nous gain pour nous faire. Nous avons besoin pour bon Dieu capable là. Mais pour bon Dieu capable là, faut nous capable dépouiller nous de tout péché pour bon Dieu capable laver nous, pour bon Dieu capable purifier nous. Et nous sûr et certain, bon Dieu pas jamais abandonner nous. Nous allons lire psaume 32 verset 5. Nous allons lire texte ça que nous joignons dans psaume 32 verset 5. Amando pour capable quel que soit côté ouyé pour capable chercher texte pour capable lire ensemble avec nous psaume 32 verset 5. L'important pour nous capable toujours lire la parole de Dieu et la donne nous capable apprendre nous capable former caractère nous. Nous à chercher le pardon de notre Dieu parce que nous connaît. C'est mon Dieu seulement qui est capable d'offrir nous ça. Psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Le fait que nous connaissons à chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous faisons, nous disons, nous allons, nous tendons, nous gardons, nous ne pas doué faire chaque ça nous fait qui est capable de faire bon Dieu tourner. Donc, nous reconnaissons ça. Eh bien, nous disons, bon Dieu, transgression nous, péché nous, nous portons au barreau pour capable pardonner péché nous. N'a mando pour capable faire des prières secrètes. Ou konn pour qui raison oui ou vini pour mander bon Dieu pardon. M pa konnen péché ou fait. Mais le fait que c'est ou même ça c'est une question de relation personnelle. Puisque le péché c'est moi avec bon Dieu qui connais le péché parce que avec zami moyé à moun la caille moi parèm famim gion bagay moi fait seulement bon Dieu qui wèl
moi connais que li pas bon. Li important pour capable parler avec bon Dieu. Parler ensemble avec papa. Amen. Bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est plein d'amour. Le ou avancer bon côté avec péché ou yo, ou pas qu'à venir, on gens pour retourner même gens. Ou pas qu'à venir avec péché ou yo, et souvenir avec l'idée pour capable de joindre pardon. Bon Dieu. À pardonner péché. C'est ça que fait. Dans une minute, ça nous sentit nous légers parce que auparavant, nous sentit nous t'es lourd devant bon Dieu, nous pas tant rien. Mais puisque bon Dieu son bon papa, nous avancer bon côté là avec péché nous yo. Monsieur est certain, péché yo pardonné. Maintenant, l'important pour pas tourner dans péché ça encore. L'important pour ta gagner yon l'esprit qui a parlé ensemble avec vous. Kabzou, gade, pas fait ça. L'on fait ça, ou a péché contre le Saint-Esprit, ou a péché contre papa. Ça, li important pour capable gagner la présence du Saint-Esprit. Qu'est-ce que fait nous pour demander bon Dieu? S'il finit pardonner nous, pas quitter nous tomber dans péché ça. Mais pour capable aider nous pour ne pas tomber dans péché ça encore. C'est Saint-Esprit qui pour la ravie nous, qui pour bon côté nous, chaque fois que nous gagnons pour nous capables de réfléchir sur la vie nous, pour Saint-Esprit capable là dans la décision nous pour nous prendre, en pile fois, ces décisions, c'est dans la décision nous prenons, nous arrivons à pécher. Eh bien, si Saint-Esprit est capable là, capable d'aider nous, orienter nous encore, pour ne pas tomber dans la contravention avec bon Dieu, pour ne pas pécher. 127. Saint-Esprit, que ta clarté vienne briller sur nos cœurs. Nous avons besoin de la lumière du Saint-Esprit dans la vie nous pour nous faire côté de notre pied. Nous. Et côté de notre pied, nous, les synonymes, est-ce que c'est éviter, m'éviter de pécher. Lorsque c'est Saint-Esprit, la lumière du Saint-Esprit, ou qui te jaillit, ou qui te conduit, ou qui te mène, monsieur est certain. Toute décision à prendre, c'est de bonnes décisions parce que c'est sous influence, c'est sous dictée Saint-Esprit de Dieu. En demandant mon Dieu, Saint-Esprit, ça qui est capable de nous faire de bons choix. Saint-Esprit,
délivre-nous à jamais. Délivre-nous des liens de l'oppresseur. Saint-Esprit, lorsque vous péchez, ou lorsque vous péchez, par le Saint-Esprit, bon Dieu connaît lorsque vous péchez, combien chancelle nos pas. Demandez Saint-Esprit à vous ne pas abandonner, malgré vous connaissez un péché. Parce que lorsque vous fuyez libéré de tout péché, vous avez besoin de Saint-Esprit. Et conduis-nous dans la paix. La paix. Lorsque nous finissons accepter que nous avons laissé nous guider par le Saint-Esprit, ça qui est important dans le dernier couplet, Saint-Esprit est là pour mener nous dans la paix. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3. Verset 17. C'est pour nous toutes là, nous toutes qui suivent, nous toutes qui branchés par un moyen quelconque. C'est pour nous toutes capables toujours rester dans le plan bon Dieu. En nous fait bon Dieu, zami nous, pendant semaine ça, pour nous pas gagner rien comme barrage, rien comme barricade, rien comme obscurité sous chemin nous. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là, où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit du Seigneur pénétrer nous, nous avons la liberté. Et préférez que si dans mon Dieu nous avons liberté, que nous avons liberté, nous avons l'homme pareil. Nous sûrs et certains, mon Dieu, il n'a jamais abandonné nous. Nous allons demander pour Saint-Esprit à descendre. Pour descendre sous nous, dans quel que soit forme Saint-Esprit a capran, que le capable venir pour le faire travail que le voulait dans la vie nous. Et pendant semaine ça, tout interdit yo qui a fait Saint-Esprit capable rester loin nous, que nous retirer, que bon Dieu retire pour nous capable venir dans plein bon Dieu pendant semaine ça. Saint-Esprit descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta gloire résonne. Viens et change nos cœurs. Accomplir ta promesse dans notre vie, Saint-Esprit, descend. N'a pas d'eau pour capable chanter ensemble avec nous. Parce que l'on chante, ou parler ensemble avec mon Dieu et ou dit des choses magnifiques, des paroles qui vraiment font en dedans musique. Yo. Et mon Dieu capable, attendez-nous. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche. Viens et change nos cœurs. Accomplis ta parole dans notre vie. Alléluia. Accomplis ta parole, Seigneur. Demande Saint-Esprit à capable de descendre. Saint-Esprit, descend. Descend sur nous. Descend sur nous. Saint-Esprit, descend sur nous. Alléluia. Saint-Esprit, descend sur nous. Saint-Esprit, descend sur nous, Saint-Esprit. Descend sur nous, Saint-Esprit. Lorsque Saint-Esprit a descendu, il transforme la vie nous. Lorsque Saint-Esprit a descendu, il fait travail que mon Dieu t'a aimé nous faire. Mon Dieu t'a aimé nous transformer totalement. Consolateur, ami, le Saint-Esprit, à nouveau, touche nos vies. N'a pas de capable.
toucher la vie chaque internaute, la vie chaque téléspectateur, la vie chaque auditeur. Touchez la vie Mario Jelly, touchez la vie Marie-Isabelle Jeunville, touchez la vie Rosemary Olewis, Shirley Blanc, Marie Clermont. N'a pas de cet esprit à vous capable de descendre sur nous, que ta puissance vienne. Mais que ta voix résonne. Viens, échange nos cœurs. Accomplir ta parole dans notre vie, Seigneur. Accomplir ta parole. Cet esprit. Descends dans le studio MEODH. Descends sur toute équipe MEODH. Descends, Saint-Esprit, descend. Saint-Esprit, descend dans la vie, nous. Saint-Esprit, descend. Saint-Esprit, descend. Mandez bon Dieu pour le capable voyer Saint-Esprit dans la vie, nous. Parce que c'est le seul moyen qui est capable d'aider nous. Pour ne pas retourner dans le péché, ça. Péché, ça, que bon Dieu accepte nous. Pour le pardonner, péché, ça, pour nous. Et mandez bon Dieu, Saint-Esprit. En tant que consolateur, le Saint-Esprit, notre ami, à nouveau, on l'autre fois encore n'a pas de nous capable de toucher. Nous. On l'autre fois encore maman de vous capable de transformer la vie nous. On l'autre fois encore maman de vous capable de guérir nous cet esprit. Et on l'autre fois cet esprit maman de vous capable de descendre pour prendre place. Et on l'autre fois encore cet esprit et prends nous, mettez nous dans le plan bon Dieu cet esprit. Descend, levez nous à terre. Hier où t'es prends nous genouillé, cet esprit t'es accepté prends nous transformer nous. Mais je dis levez nous en dignité à nouveau chez nous. Descende sous Souvenirs Françoise, descende sous Mondor Marie-Rose, Tévarène Nadine, descende sous Fanette Joseph, Saint-Esprit Ginette Guillaume, descende sur nous. Alléluia, Saint-Esprit descend. Descend sous Guylaine Garçon, descend sous Marie Isabelle Jeunville, Schneider, descend sous Schneider. Échange nos cœurs. Accomplis ta parole. Cet esprit. Descends sur nous. Cet esprit n'a pas de vous capable de descendre dans la vie. Nous. Tout le temps à vivre sous la terre. Personne n'a connu. Nous pas jamais comprendre lorsque le Saint-Esprit parle avec nous. Mais dans cette semaine, ça, nous avons invité un bon papa pour faire nous capables d'identifier lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui parle ensemble avec nous. Nous voulons identifier l'Esprit de Dieu lorsque il communique avec nous. Nous t'as aimé identifier le Saint-Esprit de Dieu. Nous t'as aimé faire différence ça entre le Saint-Esprit de Dieu. Ce que tu réserves, Saint-Esprit, adversaire. Nous avons demandé Saint-Esprit pour qu'on puisse continuer de descendre. Consolateur ami. Échange nos cœurs. Accomplis ta parole dans notre vie. Accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Que la puissance du Saint-Esprit capable de descendre sur nous. Il est capable de transformer nous, laver nous, purifier nous. Et pas dans la semaine, ça.
si jamais nous pas jamais te ca identifier lorsque la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu parler avec nous par le biais du Saint-Esprit, que pendant semaine ça nous capable arriver identifier la voix de Dieu parler avec nous par le Saint-Esprit. Qu'il en soit question de Jésus, nous t'en prions. Amen. Merci à nous tous qui t'ont suivi. Première partie, nous sommes certains. Péché nous, nous avons pardonné, nous avons lavé. Et nous sommes certains, bon Dieu, li voye Saint-Esprit a vin capable habiter dans la vie nous. Et le ça n'a bien esprit de discernement. N'a va identifier lorsque c'est l'esprit de Dieu qui nous parle. N'a identifier lorsque le Saint-Esprit a parlé ensemble avec nous. Et comme ça n'a va prendre les meilleures décisions pour nous marcher avec bon Dieu. Pendant semaine ça, tout monde qui accepté rester dans plan bon Dieu et me déclarer ça sur la vie nous tout nous pas qu'à échouer. Parole bon Dieu pas qu'on baï menti. Tout monde qui pendant semaine ça accepté rester dans plan bon Dieu, me déclarer sur la vie nous pas qu'à passer mal. Tout monde qui accepté rester dans plan bon Dieu pendant semaine ça et qui accepté que c'est bon Dieu qui pour tracer plan la vie aussi ou pas trop jambe gagner. Et me content pour me dire. Grand architecte ça. Il pas jamais échoué dans plan. Et surtout lorsque c'est pour petite ligne gain plan. Plan bon Dieu pour nous. C'est bagaille que moi même ensemble avec vous nous pas gagne l'argent pour nous ta payer pour ça. Et monsieur est certain pendant semaine ça n'a joué un résultat rester la caille bon Dieu qui ça capable porter pour nous. Que le Seigneur nous bénisse tous. Mesdames, messieurs auditeurs et internautes, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que nous sommes avec vous en cet après-midi. Question de partager un moment de prière, un moment dans la présence de Dieu où nous allons lui parler de nos soucis. D'ailleurs, c'est toujours avec un pile qui est content que nous connaissons nos monde quelque part qui prêt pour nous tendre nous. Mais c'est encore mieux lorsque nous savons que monde ça nous pral parler avec lui a pas seulement une capacité pour tendre nous. Mais surtout, il y a capacité pour capable répondre avec demande et puis calmer la tempête qui a menacé la vie. Nous. Comme je l'ai dit hier, pour moi, la vie chrétienne, c'est indispensable. C'est une demande qui est inexorable, la demande de l'Esprit Saint. Et tant que c'est moi qui ai dirigé parti ça, je tiens toujours à ce que la première demande que moi avec au fait dans le programme, non? C'est la demande de l'Esprit de Dieu. Parce que vous trouvez que sans lui, même si nous avons toute l'autre bagaille, même si toute l'autre demande nous t'a formulé devant bon Dieu, tu as une réponse, nous sentons que c'est en vain. C'est pour cela que nous allons chanter au numéro 128. Ensuite, nous avons la première prière qui axée uniquement, spécialement, rien que sur la demande de l'Esprit Saint qui est ce consolateur promis par Jésus. Chantons ensemble comme une prière, bien sûr, pour que l'Esprit de Dieu nous arrose en cet après-midi. Terre apaisée.
appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Soit fertilisé. Que le cœur le plus avide en cet après-midi soit pleinement arrosé.
Oui, Père, viens avec tes bienfaisantes eaux. Qu'elles coulent à flot dans notre cœur. Et par ton esprit, arrose-nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, chers et frères, auditeurs et internautes, nous pour aller passer Kounia dans la deuxième demande là qui c'est une demande diverse. Nous sommes demandé ça qui est important et même si nous t'ablier visage moi t'ablier nom, mais toujours songer me dit nous demande qui est important même si nous t'a mettre genou nous. Nous t'ablier mandé bon Dieu pour toute bagaille. Toujours songer mandé l'Esprit Saint. Kounia nous va faire demande diverse, c'est côté ou même qui ont demande de prière particulière, ou a écrit là bas live là, ou a écrit nom proche ou. Et puis, on va attendre méditation hein, pour connaître qui l'idée prière que nous avons dirigé après-midi. Je dis à moi, je voulais chita sous un texte de Jérémie 33, verset 3, que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament. Et le Seigneur dit ceci, appelle-moi et je te répondrai. Call me and I will answer. Relim. Ma va répondre. Mon espagnol yon pa maintenant. Et mon vie, titre court entretien ça. Si tu as besoin d'aide, appelle. If you need help, call. D'abord, bonne permission pour me raconter nous une première histoire. Te gondam yorele Madame Berwick. Dans un premier temps de sa vie, chers et frères, l'été là pour capable coordonner des œuvres sociales dans l'armée du salut à Liverpool en Angleterre. Après quelques années de fin travail avec beaucoup d'acharnement, li joint bénéfice travail li rentré dans retraite li mettait fin avec service là avec première partie ça. Mais lorsque Londres fut bombardé pendant la deuxième guerre mondiale, moun yo déambulé, yo couru à la caille Madame Berwick. Et chaque jour les moun yo vinn nan porte la caille li di moun yo aller, li rale balé, li tire de l'autre côté haïtien de gaz, li tire pisser derrière yo, li di vi sam ki te déjà c'est moment pour me reposer. Et chaque jour li repousse moun yo, le lendemain moun yo vinn pi plus. Et finalement, li rend compte que pas ka goumé avec moun yo qui vinn de aide. Et puis, il prend un pancarte, il écrit devant porte là. Si tu as besoin d'aide, appelle ici. Et depuis lors, chaque monde qui a passé, même de loin ou de près, qui sentit une nécessité, qui besoin d'aide, seulement ou un pancarte là, dans la porte, Madame Berwick, yo qu'on est là, yo capable de demander aide parce que il écrit si tu as besoin d'aide, appelle ici. Même j'en tour auditeurs et internautes, bien-aimés, chers et frères. Un jour, le roi Ézéchias t'a connu un moment qui est extrêmement difficile dans la ville. C'est un moment qui était très grave. Côté la ville, la vie citoyenne de Jérusalem, était en jeu. Qui ça qui t'est passé? Les armées de Sennacherib, disons mieux, qui t'a gagné dans tête lion impitoyable monarque assyrien, ont assiégé la ville de Jérusalem de toutes parts. Pas de personne qui te ka ni rentré. Et personne pas de ka sorti dans la ville de Jérusalem. Nan. Un jour passé, un deuxième jour passé, moun pas ka sorti, moun pas ka rentré Jérusalem. Parce que Sennacherib avec armée assyrienne entouré la ville. Et chaque jour, soldat assyrien dit qui ça? Yo dit gen ville qui pi fort. Gen l'armée qui gen plus force, gen plus gros militaire. Nous marcher sous fiel yo déjà. C'est pas sous ti Ézéchias avec ti ville ça ne pas ta marcher sous fiel. Et cela me rappelle les paroles du psalmiste quand il disait: ils m'environnaient comme des abeilles, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Yo t'ai environné de toutes parts, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et effectivement, le roi Ézéchias se souvint alors que même je n'en papote Madame Berwick, n'en papote si elle là, bon Dieu écrit, si vous besoin d'aide, vous mettrez l'aime. Et lorsque Ézéchias vient songer parole ça, il vient songer pendant quatre ça qui écrit n'en papote si elle là,
Nous lisons dans 2 Chroniques 32, verset 20, la parole sacrée. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet. Et ils crièrent vers le ciel. Ce qui pourrait le plus attirer mon attention, c'est que aussitôt ils ont fini de solliciter l'aide de Dieu, aussitôt ils ont fini de frapper porte ciel là, dans 2 Chroniques 32, verset 21. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants héros, les commandants et les chefs. Alors le roi retourna dans son pays, la honte au front. Parce qu'il était songé dans le ciel, là, dans le papa de ciel, là, il écrit, si vous avez besoin d'aide, vous mettez relève. Peut-être que ou même tout à un moment dans vie où vous senti ou t'es en cours Ézéchias dans situation n'a pas ni sorti ni rentré. Ou senti ou marre tant que crabe. Et peut-être que ou essayé toute bagaille déjà mais rien pas jamais marché. Peut-être que en ce moment même ou senti que la vie a fouetté ou ou senti que la vie a voulu punir ou toute erreur côté qu'a fait et peut-être que ou pas fait mais tout grand-parent ont fait. Tellement bagala mal passé avec vous. Et peut-être qu'en ce moment, chers et frères, nous sentons que l'ennemi assiège nous de toutes parts. Et si comme Ézéchias, vous sentiez vous piégé. Et si comme Ézéchias, l'ennemi te bombarde. Et si comme Ézéchias, l'ennemi se nague et se tague en disant que li prend moun ki pi fort passe déjà, c'est pas où le papa. Songez dans papa ciel là il écrit si tu as besoin d'aide appelle ici sous besoin d'aide relé là et c'est ce que nous allons faire en cet après-midi même avec Ézéchias nous allons nous tourner vers le Seigneur nous allons frapper à la porte du ciel parce que c'est bon Dieu qui dit selon le prophète Jérémie appelle-moi et je te répondrai. Jérémie 33, verset 3. Et comme l'avait dit le psalmiste au psaume 54, verset 6, voici, Dieu est mon aide. En cet après-midi, mesdames, messieurs, chers et frères, tandis que nous allons prier, nous allons chanter avec moi, Gédélem Rété, senti m'abandonner. Moi, chercher ses coups sous la terre, je ne pas joindre. Moi levé j'ai moi regardé en haut. M'entendé Jésus qui dit m'vinn joindre si me senti me fatigué. Et c'est lui même que nous pour aller reler après-midi. Et tout songer que parti ça c'est traiter me Jean ouvler à papa. Donc dans toute prière nous pour prioriser la volonté et la volonté de Dieu seul. Ou ka toujours voulez un bagaille. Ou ka toujours voulez un chemin qui paraît facile en bas géo. Mais après-midi songez que parti ça prière ça n'a frappé porte ciel là mais pour dire bon Dieu traitez-moi Jean ouvlé à papa il pas fout si traitez-nous tant qu'on un chien un petit mis en garde l'a traité tant qu'on ciel bien petite là Gédélemreté Jésus, Jésus. Si tu as besoin d'aide, appelle maintenant. Jésus. Papa. Esprit,
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous reconnaître autorité ou sous terre à ta connaissance là. C'est nous-mêmes qui dignes pour recevoir adoration avec louange nous. Non point tant que sous terre, pas même dans le ciel là. Jamais pas besoin de tant que. Seigneur, après-midi, nous venons avec qui nous cap saigner. Nous venons avec nous nous qui fatigué en bas péché. Nous venons avec quoi nous qui pas qu'à supporter encore. Nous venons avec mental nous à zéro. Nous venons, Seigneur, avec dos nous couper larmes aux yeux. Nous venons avec figuier nous fainés. Nous venons avec tout problème nous, tout tristesse nous, car tu viens de nous faire comprendre que si nous avons besoin d'aide, nous pouvons appeler au ciel et tu répondras. Seigneur, en ce moment, il y a tes enfants qui sont éparpillés un peu partout sur cette planète, qui a invoqué nous ou à travers plateforme si là. Gisi là qui gen code qui m'a ressenti yo parce que pas ka supporter douleur là encore. Gen père comme cette femme qui passait toutes ces années avec cette perte de sang qui pas gen aucune dignité, aucun honneur encore. Gen père ta kou Bartimé qui chita sous bon route là. Qui seulement tant de méditation ça et toute parole qui vient dans bouche c'est Seigneur Jésus fils de David aie pitié de moi. Et comme tu l'avais fait pour Ézéchias lorsque le terrelé ou te répondre quand ce moment Seigneur tandis que nous t'invoquons tandis que nous te supplions tandis que Père, nous sommes prosternés devant toi. Puisses-tu, dans ta grâce infinie, dans ton amour incommensurable, dans ta bonté sans mesure, répondre à toutes nos requêtes en cet après-midi. Que monde qui a demandé guérison, de grâce de ta main guérissante, toi va toucher yo. Que monde, Seigneur, qui a demandé pour sécher de l'eau dans Géo. De grâce, Père, on va sécher. Gagnez en ce moment, qui problème, il y a calculé ces problèmes sous problème, matin, midi, soir. De grâce, toi qui es le mathématicien par excellence, on va résoudre problème. Gagnez qui senti affligé, déboussolé, perdu, ou va consoler et guider. Gagnez qui senti sombré dans le désespoir. De grâce, Père, que de ta lumière, ou capable de briller et guider la vie. Gagnez qui essayait de lutter déjà, mais qui pas joué une force. Que de ta force, ou capable de remplir nous. Et qu'ainsi nous sommes capables victorieux dans tous les combats. Également, il y a ceux qui chutent et qui rechutent. Il y a ceux qui tombent et qui tombent encore. Et si là que Satan a pimpéné son âme, quand cet après-midi, nous le déclarons avec conviction, au nom de Jésus, c'est pour Satan pas jamais de pouvoir son âme nous encore. Que ce soit n'endormi qu'on en j'éclaire. Également, Père, nous voulons te prier pour ces jeunes qui sentent peut-être que l'avenir est menacé, qui sentent que l'avenir est incertain, qui sentent, Seigneur, yo pas qu'on est qui côté pour y aller, ni qui porte pour y frapper, et peut-être qu'ils ont déjà tout essayé. Mais en cet après-midi, à la manière d'Ézéchias, ils veulent frapper pour le ciel. Parce que c'est dans le porte ciel là pour licence l'en sortie, pour master à sortie, pour doctorat sortie, pour carrière professionnelle la sortie, pour mariage la sortie, pour voyage la sortie, pour succès à sortie. Et c'est dans le ciel là même après-midi, pour de l'eau dans le genou, suspendre couler,
Et si nous avons pour nous crier encore, ce sera des pleurs de joie. Parce que bon Dieu fait pour nous après-midi. Tandis que nous terminons cette prière, nous te supplions une dernière fois de les exaucer pour l'amour de ton nom. Et selon les mérites de Jésus, notre divin frère et sauveur, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, amis nous qui ensemble avec nous sur plateforme MEODH, encore une fois, nous ensemble avec vous dans le cadre de programme semaine de prière, semaine de rafraîchissement d'âme. Eh bien, qui gagne pour thème moun qui rete dans le plan bon Dieu pas jamais échoué, quelles que soient les circonstances, eh bien, de pour dans le plan bon Dieu ou pas qu'à échouer. Hein? Nous pas qu'à échouer. Le fait que l'enfant prodigue l'été dans le plan bon Dieu, eh bien, nous, l'été qui te caille papa, eh bien, l'été gagne entourage qui t'a entraîné dans des mauvaises choses, eh bien, ça crive, eh bien, le fait que l'été rete dans le plan bon Dieu, eh bien, l'été permettre ça, te permettre que l'y retourne au bercail. Et nous te voyons, pendant que l'été tourne, eh bien, l'été dit, papa, merci pour attention. C'est ça nous te fait hier. Nous, à l'instar de l'enfant prodigue, hein, l'enfant prodigue qui a cherché retourner la caille à papa nous, ou même qui te senti ou déboussolé, ou même qui te senti ou loin, bon Dieu, ou même qui te senti que connexion, ou même avec bon Dieu, son bagage que ou pas de comprendre, qui t'a détérioré. Mais semaine de rafraîchissement, ça, c'est pour qu'il y ait. Et pour que les amis pour capable chercher rencontrer bon Dieu encore une fois parce que on en plan bon Dieu puisqu'on en plan bon Dieu et bon pape qu'a échoué et maintenant lorsque nous sommes dit Seigneur merci hier nous te dit merci pour attention papa mais je dis à nous pral bien dans sang agneau nous pral dit Seigneur merci pour bien merci pour bien c'est bien nous pral bien sous thème jodi a c'est merci pour bien papa hein merci pour bien hier nous te fêté hein nous te fêté pendant février l'on pral fêté fort ou bien pour habiller ou mettre bien frais eh ben laisse ça avant même que wal habiller mettre bien frais fort ou joindre monde qui bon attention pour dire ah et cetera pour mettre le coton cap encourager eh ben là nous finir une attention Dieu maintenant nous pral li pral baigner nous li pral baigner nous je dis à pour préparer nous pour la fête pas bien semaine ça des semaines de fête pour chaque grain monde qui voulait rencontrer bon Dieu et lorsqu'on rencontrer avec bon Dieu ou pral fêter parce que chaque fois pral fêter tracas qui était dans la vie ou là il pas exister encore difficulté qui était dans la vie ou là il pas exister encore ça qui t'a formé là ou pas connait encore parce qu'on rencontrer nan bon ou rencontrer bon Dieu et le fait qu'on rencontre bon Dieu c'est synonyme que ou nan plan bon Dieu et ou pas ka échoué nous pral di Seigneur merci pour ben lan vers toi montre notre hommage fils de Dieu puissant sauveur qui demeure d'âge en âge le refuge du pécheur c'est musique ça nous pour aller chanter pour nous démarrer louange nous après-midi à amis vers toi montre notre hommage fils de Dieu puissant sauveur qui demeure d'âge en âge le refuge du péché sa musique ça oui nous pour aller demander Seigneur pour le baigner nous pour le laver nous pour le sanctifier nous nettoyer nous petite on chante ensemble vers toi monte notre hommage fils de Dieu puissant sauveur qui demeure d'âge en âge le refuge du pécheur. Louez-soi
la délivrance, chantez ça. De toi vient la délivrance. C'est pour son bail, mon Dieu, louange. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais. Ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Sous ta bannière, est le peuple racheté qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. Ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Va en ta vie de parole, chantez ça. Et par l'esprit qui console, sûrement il le pense. Côté pour le cap chercher, mon Dieu, loué. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais. Ton nom, Jésus, ta gloire. L'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Une sainte allégresse, le numéro 50, c'est avec musique ça n'a pas démarré. Et chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur.
ensemble. Chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Il est à l'église, remplisse notre cœur. Un salut éternel, un salut éternel. Il pardonne aux coupables contre lui révoltés. Pour porter nos forfaits, sceller notre paix. Jésus s'est présenté. Si nous levons les yeux, rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat. Pour les siens il combat. La voie de tous est rachetée. Dans leur cœur, il envoie ses célestes clameurs. Son esprit nous conduit. Sa grâce nous essuie. Sa grâce nous essuie. De gloire du ciel, il reviendra. Consommant sa victoire, il nous affranchira. Son heureux enfant, avec Jésus triomphant, avec lui triomphant. Régnera son bénit. Jésus naquit plus humble que les anges. Pour me sauver, si bas il descendit. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité. Sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. À la croix, le prince de la vie. Amen, là-bas blanchi, mes péchés, mes forfaits. Le grand pouvoir de sa grâce infinie. Ferme à la vie, où Satan m'entraînait. Amen, bonheur suprême, mon sauveur même. Lui qui mourut et fut ressuscité. Et sur la vie, à sa venue. Je le verrai, lui qui m'a acheté. Lorsqu'au matin, de la grande victoire, il triompha de la mort du tombeau. Il effaça pour toujours la mémoire. Il doit passer. Amen. Cet écrasant fardeau. Merci. Bonheur suprême. Amen, mon sauveur. Même, lui qui mourut. Et fut ressuscité et sur la vie, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'il viendra dans sa magnificence, la vie les cieux, pour jamais dans les cieux. J'entonnerai l'hymne de délivrance. Amen. En exaltant son grand nom glorieux. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut
ressuscité et sur la vie, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Bonheur suprême, bonheur suprême, mon sauveur même. Amen, lui qui mourut et fut ressuscité et sur la vie, à sa venue, je le verrai. Chantez entonnons ce cantique à la gloire du Fils unique, Fils éternel des dieux des cieux. Dans sa mort, dans sa souffrance, nous trouvons tous en abondance ce qu'il nous faut pour être heureux. Sur la croix, Dieu, divise de source de vie que tout en nous te glorifie. Et chante ta direction, ta paix, ta grâce éternelle, de jour en jour se renouvelle sur le peuple de Sion. Louange, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia. Gloire sans foi, oh, à des rois, à notre sauveur sur la croix. Jésus, reçois nos hommages, tu seras seul dans tous les âges. Le cantique des rachetés, t'es sauvé par tes blessures et guéri par tes bénédictions. Amen. Tous nos cœurs te soient consacrés. Merci pour ce chapitre chrétien. Soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia. Gloire sans foi, oh, à des rois, à notre sauveur sur la croix. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Grand échange joyeux. Oh, son triomphe en tout lieu. Soit exalté. Prince de vie et prince de paix. Mon Dieu, mon cap cherché, mon Dieu, ramassé pour vous prier. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Cherche en lui toujours. Au peuple racheté. Force secours. Chantez à toi la gloire. À toi la gloire et l'honneur. Au sauveur, au puissant et rédempteur. Tu sais plus quoi tu sortis vainqueur. Prince de vie et prince de paix. Pour des bouts capillés dans son Jésus. Chantez gloire à toi. Amen. Gloire à toi. Christ est ressuscité. Par lui nous vivons. Et dans l'éternité. Sans mal faire. Nous régnerons. Jésus, à toi la gloire. À toi la gloire et l'honneur. Au sauveur, au puissant rédempteur. Tu sais plus que tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi. Pour châtiment, mon Dieu, pour vous chanter gloire à toi. Gloire à toi. Chantez gloire à toi. Gloire à toi. Amen. Gloire à toi. Jésus mourut, ressuscité, chantez gloire à toi. Gloire à
Jésus prend pour nous. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à Jésus. Maladie, on le guérit pour chanter. Gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, gloire à jamais. Pardon, on le prend pour visite. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Chantez gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Chantez tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste phare. Chantez gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour. Du ciel envoya son Fils unique. Du ciel envoya son Fils unique. Et la terre et les cieux dans ce jour. S'unisse pour chanter. S'unisse pour chanter ce cantique. Gloire à toi, gloire à Dieu. Gloire à toi, ma sainte esprit. Gloire à toi. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits. Oh oui, en mourant lui sur le bois des phares. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons un retour, bon sauveur. Aimé par-dessus tout autre chose. Aimé par-dessus tout autre chose. Formez ton amour dans notre cœur. Chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Que ce chant retentisse en tout lieu. Chantez dans moi béni, béni mon Dieu. Amen. Pour tout soyez pour moi, moi béni. Mwen béni non, chante nan mwen béni, nan mwen béni, nan mwen béni, mon Dieu, nan mwen béni, pour tout soye pour mwen, mwen béni non, mwen béni non, chante Christ fè gwo bagay, Christ fè gwo bagay, mwen pou kretye, Christ fè gwo bagay, amen. Christ fait grand bagage pour moi, moi béni non. Moi pas servi, moi pas servi, on l'a Dieu, ni dans ta caille. Amen, amen. Moi pas servi, on l'a Dieu, ni dans ta caille. Béni soit l'Éternel. Moi pas servi, on l'a Dieu, ni dans ta caille. Moi pas servi, on l'a Dieu. Mwen pap servi yon lot Dieu, ni lot bagay ke ou. Jésus, Jésus, ou merite louange. Jésus, ou merite louange. Nan montayo, nan montayo, nan vale yo. Oui, Jésus, Jésus, ou merite louange. Chante Dieu le Père, Dieu le Père. Ou merite louange. Dans mon taillot, dans vallée, oh oui, Dieu le Père, Dieu le Père, vous méritez louange. Chantez Adonai, Adonai, vous méritez louange. Adonai, Adonai, vous méritez louange. Dans mon taillot, dans vallée, dans vallée, oh oui, Adonai, Adonai, vous méritez louange.
Chante Adonai, 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 mérite ça, chrétien. Adonai, ou mérite loi. Dans montaillot, dans montaillot, dans valéot, dans valéot. Oui, Adonai, Adonai, ou mérite loi. Le sang, le sang, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, amen. Le sang de Jésus, amen. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, amen. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. La paix en Jésus, la paix en Jésus, la paix, la paix en Jésus, la paix en Jésus, la paix en Jésus, la paix, la paix, la paix en Jésus. La paix en Jésus, la paix en Jésus, la paix en Jésus, la paix, la paix en Jésus, délivrance, délivrance, délivrance en Jésus, délivrance en Jésus, la paix en Jésus, délivrance, délivrance en Jésus, délivrance en Jésus, délivrance en Jésus, la paix en Jésus, délivrance en Jésus, délivrance en Jésus, délivrance en Jésus, c'est celle qui a abordé les voies qui va chercher, pour pas me cacher ni l'autre côté, guérison, guérison, guérison en Jésus, côté pour qui malade, guérison en Jésus. Amen. Guérison en Jésus. Amen. Guérison en Jésus. Guérison, guérison. Guérison en Jésus. Amen. Guérison en Jésus. Amen. Amen. Nous allons dire encore. On dit guérison en Jésus. Ça c'est pour vous qui malade. Guérison. Guérison en Jésus. Amen. Guérison en Jésus. Même quand nous cherchons guérison. Guérison en Jésus. Guérison. Guérison en Jésus. Amen. Amen. Guérison en Jésus. Amen. Amen. Guérison en Jésus. Amen. Amen. Côté mon cap cherché, pardon, yo. Côté mon cap cherché. Pardon en Jésus, amen. Pardon en Jésus, pardon en Jésus, amen. 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 Pardon en Jésus, pardon, pardon, pardon en Jésus, amen. Pardon en Jésus, pardon, pardon, pardon en Jésus, pardon, pardon. Pour nous être capables ensemble avec nous. Les arrivées qu'on y a pour nous aller prier. Nous sommes baignés dans le sang Jésus pour le Seigneur capable de laver nous. Nous sommes dit Seigneur merci pour bien là. Et nous bon rendez-vous demain si Dieu veut encore pour la louange. Semaine ça, Seigneur fait nous grâce. Il mettez nous ensemble pour nous louer. N'a pas loué, c'est ça nous qu'a fait. Et en retour, bénédiction a tombé sous nous. Qu'est-ce que vous faites, que le Seigneur vous bénisse. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, nous sommes arrivés à l'heure de la prière d'intercession où nous allons parler au Seigneur de manière collective et personnelle, ou du moins individuelle. Il s'agit de nous inviter au côté de la prendre disposition pour nous capables de chercher la présence de Dieu ensemble. Éternel, Dieu trois fois saint, Créateur du ciel et de la terre, toi qui habites dans les lieux élevés et qui es le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Seigneur, en ce moment, nous sommes très heureux de t'adorer avec tes enfants qui sont connectés un peu partout sur la terre. Ils ont besoin d'entendre ta voix. Et ils ont aussi besoin que tu interviennes afin qu'ils puissent trouver une solution à leurs problèmes. Merci pour ce privilège. Merci pour cette semaine de prière que tu as toi-même aménagée pour tes enfants. Et merci parce que, Seigneur, hier, tu nous as parlé à travers ton serviteur, le pasteur Fredson Ludor, en nous disant que tu es le réparateur des vies brisées. Et merci de ce que tu as déjà réparé des vies dans le passé, ô Père. Et aujourd'hui encore,
tu te révèles le même Dieu, parce que tu as dit dans ta parole, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, que nous capables toujours exalter d'âge en âge, éternité en éternité, parce que c'est au seul qui est bon Dieu. En ce moment, ô Père, nous sommes venus prier pour tes enfants, mais nous voulons bien avant que nous citer alors des monde ou des groupes de monde que nous voulons prier pour après-midi. Mando pardon pour tout péché que nous avons commis dans la vie, de manière volontaire ou involontaire, Seigneur, que le sang de Christ capable de laver en dedans et dehors et rendre la vie non acceptable devant le trône de grâce en ce moment. Seigneur, nous voulons bien te prier pour tous tes enfants qui nous suivent aujourd'hui au Père. Grand pile qui finit avec vie vraiment brisée. Gessa qui finit avec vie vraiment humiliée. Gessa, Seigneur Dieu, les songer, passer au culpabilisé. Gessa qui, dans le moment, ça a posé cette question. Comment ça pralie pour eux après semaine de prière là? Parce que vous espérez un changement. Gessa, Seigneur, qui dit, il a fini et que requête yo yo t'adresse à vous, yo pourquoi je n'ai aucun résultat. Gessa, tout Seigneur Dieu qui a posé cette question. Est-ce que après l'autre année, avec même maladie ça, avec même persécution ça, avec même souffrance ça, parce que Seigneur Dieu, c'est le seul qui connaît avec vous-même qui s'entra traversé pendant 2023. Mais nous adressons à vous en tant que Dieu, qui est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le seul qui est capable de dire en ce moment, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. Seigneur, nous devons arrêter quelques tempêtes, quelques petits doivent traverser dans le moment ça, Seigneur. Nous devons mettre la paix dans quelques vies qui sentent au Père que n'ont pas gagné, ça roule la sécurité. Et mando pour capable guérir des âmes au Père qui sentit en ce moment que parce qu'un malade spirituellement mais aussi malade physiquement. Nous prions pour un monde qui a un cancer dans le moment ça, Seigneur. Nous prions pour un monde qui a un fibrome. Nous prions pour un monde qui a un Seigneur dans le moment ça, en pied dans le rein. Il y a un qui est malade dans la foi. Il y a un qui est malade dans la gorge et autres, Seigneur. Quel que soit côté petit ou malade, il a souffri. Mando s'il vous plaît la guérison pour la gloire de ton Seigneur. Gen ça qui sentit bloqué, Seigneur. Et le processus, ça fait longtemps, on n'est pas jamais qu'à marcher. Mais nous supplions du haut des cieux pour être capable de débloquer au Seigneur. Il y a un moment qui a une dette, qui n'a pas de payer pour eux. Il y a un chômage là, ça fait longtemps, qui a besoin de travail alors qu'il y a des responsabilités. Nous demandons, s'il te plaît, du haut des cieux, pour être capable de péter ton porte, ouvrir les écluses des cieux et sauver le monde pour la gloire de ton Seigneur. Père, nous prions en ce moment pour tous les chantres faisant partie de cette plateforme. Gampile au Dieu qui gagne activité, mais qui toujours laisse le temps, prend le soin pour venir chanter, pour adorer, et bien, ou même sur plateforme avec petit ou au Seigneur. Ils sont des jeunes, ils ont au Père des responsabilités, ils font face aux défis de la vie, et ils ont leur famille qui souffre également. Et bien, nous voulons prier pour tout chanteur en général, et nous aussi prier pour Seigneur Dieu, les chantres et de la chorale Mélodie Choir. Seigneur, Gapil, là, qui besoin de présence dans le moment, ça ne va pas traverser. Qui défie qui devant la vie, qui montagne qui a monté, qui vallée à traverser, qui mer, au Dieu qui présente devant yo. Mais absolument, moment s'il te plaît, comme tu as dit pour Moïse, étends le bâton que tu es dans la main et que l'homme est capable de faire en deux. On va faire toute la mec devant au Seigneur, déplacer toute montagne qui sous la vie et bailler force à courage pour remporter la victoire. Nous pour Maestro Richard de manière très spéciale. En tant que jeune au Père, Manuka bénil et béni et travaille que la fin encourage sa Seigneur pour continuer aider à exceller, à bien chanter pour la gloire de ton Seigneur et l'édification complète de tes enfants. On va bénir sa femme, bénir aussi son enfant. Et bénis tout l'autre qui est petit, tout Seigneur Dieu qui a chanté pour vous-même, qui est marié. Bénis tout. Permettez à ceux qui sont capables de grandir à tous les points de vue et qui sont capables de réussir ici-bas et même dans l'éternité. Seigneur, bénis le prédicateur du jeu, notre frère, notre ami, le pasteur Fritson Ludor. Il va prendre la parole tout à l'heure afin de pouvoir et prêcher pour l'édification de tes enfants. Permettez à ce que l'esprit soit animé pour le parler seulement pour vous, Seigneur. Capable d'utiliser seulement voile et facile disparaître pour qu'on puisse apparaître afin que l'église soit capable de toucher
et des âmes capables de sauver pour la gloire de ton Saint-Nom. Entends nos cris, ô Père, accepte-nous, sauve-nous du roi des cieux, touche nos internautes et téléspectateurs, fais-nous sentir ta présence aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. C'est au nom de Jésus nous te prions, Père, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Fais-moi sentir, ou vivre dans le monde. Sous la terre, papa, la paix ou ben moins, ô
Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a permis d'être ensemble ce soir, encore une fois, à travers les réseaux du MEODH, pour bénir le nom du Seigneur, pour exalter son nom et aussi écouter sa voix parler à nos cœurs. Nous comptons pour nous capables là encore une fois à soya autour de ce grand thème. Moun qui était nan plan bon Dieu, pas jamais échoué. Est-ce qu'on croit ça, zanmim? Est-ce qu'on croit tout moun qui était nan plan bon Dieu, yo pas jamais échoué? Si vous croyez ça, écrit amen, béni soit l'Éternel. Oui, notre Dieu règne d'éternité en éternité. Et c'est ça que nous te voyons hier soir. De son éternité, Dieu a décidé de partager avec nous un peu de son éternité. Et lorsque il finit déposer les fondements de la terre, il pral parfaire, il pral mettre design sur la terre pour que le capable venir un espace vivable et habitable. Et bon Dieu mettait l'homme pour que l'homme capable entrer dans ce grand plan. Assoya, thème que bon Dieu voyait pour nous, c'est Jonas. Grâce bon Dieu a kembe ou nan plan. Jonas, grâce bon Dieu a kembe ou nan plan. Et avant nous commencer avec développement message à Soya, moi invite chaque monde qui là, chaque monde qui sous réseau a partager live là, partager lien avec au moins 7 monde. Chaque monde qui là sous réseau a partager live là avec 7 monde. Fais ça qu'on y a pendant que n'a chanté ce refrain qui dit: Seigneur, c'est grâce ou femme. C'est grâce ou femme. Moi pas un rien. C'est ça que nous allons assoya. Nous chaque là c'est des Jonas. Que grâce bon Dieu a kembe nan plan en partager avec 7 moun avant que nous commencer avec message assoya. Seigneur pas quitter. Monte tête moins. Seigneur, pas quitter, pense m'pi wo. Fais piti, piti. Seigneur, pas quitter. Monte tête moins. Seigneur, pas quitter, pense m'pi wo. Partagez sur WhatsApp, partagez sur Facebook, partagez sur TikTok, partagez sur toutes les médias sociaux, parce que quand on prie la soya, qui veut entendre ce message et recevoir la délivrance au nom du Seigneur. Seigneur, pas quitter, montez tes mains. Seigneur, pas quitter. Montez tes moins, Seigneur, pas quitter. Pense.
Sega souffert. Chantez. Sega souffert. Moi pas en Jonas, grâce bon Dieu, ap kembe ou nan plan. Jonas, grâce bon Dieu, ap kembe ou nan plan. L'histoire de Jonas, c'est une histoire dans la Bible qui est plus populaire que n'importe qui ti moun nan classe enfantine capable raconter un peu de mots. Et on va dire Jonas. C'est un prophète. Bon Dieu t'est relé pour le tal prêcher à Ninive. Et Jonas décidé rebeller contre la volonté de Dieu. Et il décidé aller à Tassi. Qui ça le fait? Il prend un bateau qui pralait à Tassi. Et il décidé payer bateau ça pour le capable fuir loin de la face de l'Éternel. Et c'est comme ça, il y a une tempête qui levait sous la mer. Et lorsque monsieur yo jetait poids lourd, yo pensait qu'il affectait bateau, qui fait de l'eau à entrer dans bateau, qui fait bateau après le fait naufrage. Yo fait tout ça et rien pas marché. Et yo décidé reler Dieu pa yo. Yo relé tout Dieu et Dieu yo pa ka calmer la fureur des eaux et yo descend y a cherché yo dit gion élément qui était dans bateau à nous Powell et yo cherché yo rivé yo joine Jonas qui descend jusqu'en bas dans cal bateau et yo trouvé monsieur cap dormi et lorsque yo dit monsieur mais qui ça cap passé? Bateau a bral coulé. Nous bral faire naufrage. Qui sont pensés? Qui sont café pour nous? Et c'est là ça au bral comprendre que Jonas, c'est un rebelle qui a couru loin de la face de l'Éternel pour que l'y pas annoncer le message de délivrance, le message de repentance à la ville de Ninive. Et même moment, ils ont décidé de laguer Jonas dans de l'eau. Et c'est comme ça, un gros poisson pour venir. Il va valer Jonas. Et Jonas va passer 3 jours, 3 nuits dans 20 poissons. Et poisson ça va le déposer sur la terre ferme à Ninive. Et là, Jonas va prononcer la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, amis internautes, nous arrivons à comprendre à travers l'appel de Jonas, bon Dieu, dans Jonas 1er, verset 1er, le texte dit clairement que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Bon Dieu a fait appel à Jonas pour que l'y capable rendre l'y à Ninive, parce que Ninive gagne trop méchanceté. La ville de Ninive gagne trop corruption. Et bon Dieu décidé lancer un message d'avertissement à Ninive. Bon Dieu décidé lancer un message de salut à Ninive avant qu'elle détruise.
Et bon Dieu fait appel à son prophète Jonas pour que il est capable de délivrer ce message. C'est comme ça, je dis à bon Dieu fait appel à moi-même. Bon Dieu fait appel à vous-même dans certains domaines pour que nous capable porter sa parole. Malheureusement, en pile fois, nous pensons c'est seulement un prédicateur qui est capable de prêcher. Nous pensons c'est seulement les pasteurs qui sont capables de prêcher. Puisque la prédication l'irritait comme l'œuvre générique ou originelle du salut des âmes, c'est ça que fait la Bible insister sur la prédication. Mais qui t'aime dire où ça assoya? Bon Dieu, bah chaque monde yon talent, li bah chaque monde yon ministère. Quant à Jonas, li te kon prêché, bon Dieu te relèl pour la prêcher. Mais gen moun la kap tandem assoya, gen moun kap tandem en ce moment, bon Dieu bon yon lot ministère, li kapab bon yon ministère humanitaire, li kapab bon yon ministère de bienfaisance. Gen moun, bon Dieu relèl pour kapab aider si la ki nan besoin, bon Dieu relève pour capable consoler moun ki nan douleur, moun kap kriye. Mais malheureusement, en pile fois, à l'instar de Jonas, nous fait courir, nous fuit loin de la face de l'Éternel. Et ou pral wè avèm raison que Jonas évoquait pour ne pas aller Ninive. Et bon Dieu dit au verset 1er, au verset 2, car sa méchanceté est monté jusqu'à moi. La ville de Ninive est une ville méchante. À l'époque, cap dirigé par le roi Assurbanipal. Assurbanipal qui régnait de 884 à 859 avant Jésus-Christ. Assurbanipal régnait de 884 à 859 avant Jésus-Christ. Et gagné des découvertes archéologique qui fait qui montre que à l'époque Assurbanipal était très cruel, il était très méchant et n'en recherche que des points Lukembil, ancien record 1970 à la page 109, il déclarait mais comment Assurbanipal était qu'on agit envers les ministres qui rebellent, qui infidèles, il prend Monsieur Sayo, tout vivant, li prend Poyo, li retire Poa, et li construit une colonne. Et avec Po, Monsieur Sayo, li mette Poyo sous colonne ça. Et l'autre information que Lukembil bay, li dit que Assurbanipal kon enterre moun tout vivant. Et gen yon nan muraille que li construit à Ninive, li construit avec des hommes vivants, c'est-à-dire tout vivant, li prend des hommes, li plaqué au nan muraille et li coule béton sou yo. Donc on va imaginer la cruauté, la méchanceté qui régnait à Ninive à l'époque. Et c'est une façon pour me dire aux amis, jodi ya, la terre gagne méchanceté. C'est pas jodi ya gagne criminalité dans certaines zones, mais c'est depuis longtemps l'homme t'est animé par la méchanceté. Et bon Dieu, t'es toujours besoin des hommes et des femmes pour le voyer à le prêcher, mon sayo. Aujourd'hui, nous avons tendance pour nous capables de dire, zone ça, y'a trop monde méchant. Moun sa ou pas besoin tende l'évangile. Nous dit telle zone gen trop criminel, gen trop bandit. Moun sa ou pas besoin tende l'évangile. Et c'est bagay sa qui était dans tête Jonas. Li dit que zone sa, li gen trop méchanceté. M pa pral la dan. Parce que une fois que m'allé, bon Dieu pral prend pitié, li pral gen compassion, li pral pardonne yo, li pap détruit yo. Réaction sa, moi konn gen ou qu'on gèl en pensant que nous c'est juge, nous c'est si là qui cabaille justice. En pile fois nous
Nous mettons tête nous, puis repasser bon Dieu pour nous dire bon Dieu, est tel tellement pas bon, ou t'as dû détruire, est tel tellement pas bon, ou t'as dû anéantir. Et en pile fois, nous même qu'on allait plus loin pour nous dire si m'étais bon Dieu, ouais, est tel, eh bien, bon Dieu, c'est lui-même qui bon Dieu. Il y a miséricorde, il y a compassion. Bon Dieu décide de sauver la ville de Ninive. Et il fait appel à Jonas. Même Jean Jodia, bon Dieu fait appel à Ouzamim pour capable aller dans une zone qui a criminalité, qui a méchanceté. Bon Dieu voyait pour capable aller vers moun où qu'on est, qui n'a besoin, qui n'a nécessité, et pour aller porter l'évangile de paix et de salut pour eux. Et m'était clair lorsque me dit ça, li pas précisément pour aller porter une prédication dans une zone. Gen moun k'ap souffri par rapport à mauvais choix qui ont été fait. Mais quelquefois, ou dit m'te ka aider un tel oui, mais c'est ça le fait la paix, m'pap aider. Non, l'église pas gen droit aider un tel parce que un tel fait pour le payer. Non, nous pas gain droit intervenir pour un tel parce que un tel méritait ça la prend. C'était là la conception de Jonas. Jonas dit bon Dieu, clairement moun sa yo pas mérité le salut. Moun sa yo pas mérité le pardon. Ou doit détruire yo parce que yo fait trop méchanceté. M pa bral là parce que si mal là ou bral pardonner yo ou bral libérer yo. M pa bral les que capable exécuter jugement. Et c'est comme ça Jonas li rebellé contre l'appel de l'Éternel et qui ça le fait li décidé aller à l'opposé. Bon Dieu voyait Jonas à Ninive qui à l'ouest et Jonas décidait aller à Tarsis qui à l'est. Deux pôles opposés, deux directions opposées. Et même la Bible dit que autant l'Orient est éloigné de l'Occident. C'est-à-dire l'Orient avec Occident par jamais rencontré. Et Jonas décidait pour prendre une direction contraire. Et au verset 3 de Jonas 1er, il est dit, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Regardez bien, non seulement verset 2, l'expression « loin de la face de l'Éternel » répétée deux fois. Pendant que bon Dieu voyait Jonas à l'ouest, Jonas décidait d'aller à l'est. C'est-à-dire Jonas tellement voulait cacher loin de la face de l'Éternel pour ne pas répondre à l'appel de l'Éternel. Alors que l'étape seulement déplacée et aller à Ninive à le prêcher, qui ça Jonas fait? L'y aller, l'y fuir, l'y marron. Jean Davadil en créole, Jonas Marron à Tarsis. Et qui ça le fait? Li descend à Jaffo. Et nous allons voir comment Jonas descend. Jonas prend une descente continue. Et c'est là pour que moi-même avec vous, capable de faire attention. Jonas prend une descente continue. Li descend à Jaffo. Et li prend un bateau, li paye, li descend dans bateau a pour que li aller loin de la face de l'Éternel. Maintenant, on va remarquer lorsque tempête la bras levé, Jonas pas seulement entré dans bateau a, mais Jonas al caché au fond du bateau, dans cal bateau a. On regarde ça avec nous verset 5 là. Lorsque tempête la levé, il dit, les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire
afin de se le rendre plus léger, Jonas descendit au fond du navire. Se coucha et s'endormit profondément. Jonas prend décision, il descend à Jaffa. Il descend, il prend un bateau. Il descend dans le fond bateau, dans le calbatoa. Et il fin descend dans le calbatoa. Et il descend qu'on y a dans le sommeil. Jonas tellement a couru loin de la face de l'Éternel, il descend, il arrive dans Kalbatoa et met qu'on y a l'abdomi. Et ça arrive. Bon Dieu dit ça va passer comme ça. Faut que Jonas aille à Ninive pour que l'al présente l'évangile de grâce et de salut. Et c'est comme ça, bon Dieu fait lever une tempête sous la mer. Et sortant de là, bateau a voulu faire naufrage. Et monsieur a décidé jeter toute bagaille que vous avez pour rendre bateau a léger. Parce que vous pensez c'est trop charge qui gagnait. Vous pensez c'est trop bagage qui gagnait. Vous pas comprendre ça qui a passé. Et lorsque vous essayez de faire tout ça, vous priez tout faux Dieu que vous gagnez, mais un rien pas marché. Et c'est comme ça. Vous dites, il y a un dernier élément que vous pas ouais. Il y a un dernier élément qui t'est monté bateau que vous pas ouais. Et vous décidez de chercher monsieur. Yo cherchez, et yo descend nan kal batoa, yo descend nan fond batoa, et ki neg yo jwenn, yo e Jonas, ki kwaze pied, kap dormi. Jonas kap dormi, pendant que bon Dieu relè l pour aller à Ninive, et Jonas al caché, loin de la face de l'Éternel. Ki te mdi bito, Jonas pense, li qu'à al cacher loin de la face de l'Éternel, parce que notre Dieu est omniscient. Et c'est ça, David présenté au psaume 139, verset 7 à 12. Il dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Et si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Et si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Jonas pensait, il capable cacher loin de la face de l'Éternel, mais Jonas avait oublié que ce Dieu, il est omniscient, ce Dieu est omnipotent, ce Dieu est omniprésent. Personne pas qu'à cacher devant la face de Dieu que entrer en bas terre, bon Dieu a brouer et l'a joint nous, que entrer en bas la mer, bon Dieu a brouer l'a joint nous et l'a prend. Que on monte en l'air, c'est en l'air même li habité, la brouer, la prend et la joint nous. Jonas, t'es oublié ça. Personne pas qu'à cacher loin de la face de l'Éternel. Et malheureusement pour Jonas, Jonas a signé sa perte. Oui, Jonas a signé sa destruction. Jonas a signé sa perdition. Il choisit de descendre à Jaffa. Il descend dans le fond bateau. Il descend dans le sommeil. Et maintenant, pour trouver une solution à cette situation, on est obligé de le jeter dans la mer. Mais ça qui est réservé à tout le monde qui n'a pas décidé de rester dans le plan bon Dieu, tout le monde qui décide de quitter le plan de Dieu, c'est la destruction qui est en nous, c'est la mort qui est en nous, c'est la perte qui est en nous. Hélas, logiquement, c'est perdu, c'est fini pour Jonas. Jonas est perdu parce que l'ennemi est arrivé à la fin, dans verset 8 à verset 16 là,
Yo parlé avec Jonas, yo dit soit fait là. Monsieur dit moi c'est hébreu, moi c'est prophète et même moment nèg yo comprendre, c'est un homme, c'est un serviteur bon Dieu cap courir, cap faire rébellion contre la volonté de Dieu et nèg yo mandé Jonas qui ça pour faire pour calmer tempête ça dans cette situation. Jonas pas qu'à prier encore parce que li bail bon Dieu d'eau. Jonas pas qu'à mander pardon encore dans situation ça parce que maintenant li présenter le comme ennemi de Dieu. Jonas, pas qu'a dit bon Dieu, t'en prie, calmez furie, tempête ça, et bah, nous la vie sauve. Seul bagaille qui t'est qu'a fait, seule alternative qui t'est gagné, c'est jeter Jonas dans la mer. Voilà, lorsque on monde décide, bah, bon Dieu, d'eau. Lorsque un monde décide de quitter plan bon Dieu gain pour la vie ou choisit descendre gain un niveau à privé ou a tellement descendre ou a descendre dans les profondeurs de la mort du séjour des morts. Et c'est ça qu'arrive Jonas. Logiquement Jonas perdu. Logiquement Jonas fini. Et monsieur yo dit pas rien le choix. Et avant yo lagué monsieur, yo mandé bon Dieu pardon. Yo dit ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, verset 14, car toi Éternel, tu fais ce que tu veux. Les mariniers ouais que pas rien la vie pour Jonas encore. Et c'est seule alternative qui gagne. C'est celle solution qui gagne. La guerre, monsieur, dans la mer, pour que la mer soit capable de calmer. Jonas mourit parce que Jonas décidait de rebeller contre la voix de Dieu. Jonas finit parce que Jonas n'a pas décidé de faire la volonté de Dieu, hélas. À vue humaine, Jonas mourit. Et monsieur prend décision. Yo lagué Jonas dans la mer, verset 15. Puis il prit Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Mes amis, Jonas, comme homme qui a fui, voit mon Dieu. Jonas comme prophète de l'Éternel, qui a fui la face de Dieu, la cause, vent, tempête, envahit yon lamè, et batoa, pral fait naufrage, et automatiquement que nèg yo prend Jonas, yo la gueule dans lamè, au même moment, li dit, tempête là, lamè a apaisé. La présence de Jonas, dans le bateau, la présence de Jonas dans ce bateau, bien-aimés frères et sœurs, il était constitué une entrave parce que tout le monde qui a fui loin de la face de l'Éternel, il a constitué une entrave à l'environnement. Tout le monde qui ne voulait faire volonté, bon Dieu, il a constitué une entrave à la famille. Tout monde qui parle les faire volonté bon Dieu, yo constitué yo entrave à communauté yo. Tout monde qui parle les faire volonté bon Dieu, yo constitué yo entrave à l'église côté yo. Jonas comme prophète de l'Éternel, li la cause naufrage manqué faite. Pour la simple et bonne raison, li pa vle marcher selon l'ordre de l'Éternel. Zanmim, y a pile nan nou kap tande ma soya. Nou la cause, fami nou soufri. Nou la cause, communauté nou soufri. Nou la cause, l'église nou soufri parce que nou pa fait la volonté de Dieu. En pile fois, bon Dieu dit, fais à droite, nous-mêmes, nous décidons de faire à gauche. C'est encore en pile fois, nous gagnons vision passée, bon Dieu.
nous est tel bagaille, ta pi bon pour fête. Pendant que bon Dieu dit, c'est telle façon pour le fête. En pile fois qu'on a un frère, une sœur qui a un problème, qui tombe dans le péché, où est qui moyen ou t'as va gagner pour sauver le, où est qui moyen ou t'as doit faire pour sauver le, mais où dit comme Jonas, un tel pas mérité pardon, où dit un tel pas mérité solution, faut le payer ça le fait, pendant que vous même tout, vous sont pécheurs, Jonas blié, s'il ton pécheur, lui même tout, lui besoin de la grâce divine, mais lui t'est estimé. La ville de Ninive, pas besoin pardon. Il était estimé, la ville de Ninive, pas besoin repentance. Oui, en pile fois, nous camper en face, bon Dieu. Nous dit, bon Dieu, non, un tel, faut le payer, ça le fait. Un tel, pas travailler l'église là, parce que un tel péché, pendant ou même tout, ou c'est pécheur. Ou dit, non, un tel, li pas qu'à chanter dans le choral là, parce que un tel fait tel péché. Et ou même, cap monter cher, chaque samedi, chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, ou pas péché. Ou dit, non, un tel, pas nommé Anessa, parce que li fait péché. Et ou même, ou pas péché. Jonas t'a oublié ça. Jonas oublié si lui-même tout son pécheur. Et bon Dieu a décidé sauver la ville de Ninive. Il dit non, il pas pas le prêcher parce que Mounsayo pas mérité le salut. Il pas mérité repentance. Oui, moi avant c'est Jonas. Jonas, dont le nom signifie la colombe. Jonas voler, li aller, li paroiser, li descendre à Jaffo, l'aller, li descendre dans bateau, maintenant li descendre dans calbatoa, li descendre dans sommeil, et qu'on y a là, nèg yo prend monsieur, yo la gueule dans la mer, c'est fini pour Jonas. Dans l'esprit des mariniers, dans l'esprit des marins, c'est fini pour Jonas. Oh, bien-aimés frères et sœurs, la grâce de Dieu est plus grande que nos péchés. La grâce de Dieu est plus forte que notre désobéissance. Oh, l'apôtre Paul a eu raison de dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La grâce de Dieu surpasse nos faiblesses. Et Paul renchérit pour dire, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mes amis, bien-aimés, frères et sœurs, internautes, Jonas tombé dans la mer. Jonas connaît, lui mourit. Marin au connaît, Jonas fini, lui mourit. Oh éternel, ta grâce est plus forte que nos désobéissances. Mes amis, bon Dieu t'es gain, plan pour qu'imbé son serviteur dans le plan. Bon Dieu fait grâce à son serviteur. Et au verset 2, chapitre 2, Jonas 2, verset 1, il dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Quelle grâce! Moi estimé, si c'était un monde, si c'était un dirigeant d'église, si c'était un ancien d'église, si c'était un pasteur qui t'a voué Jonas, et Jonas t'a fait fréquenter ça, il t'a quitté Jonas Péri. Il t'a quitté Jonas Péri pour fréquenter ou pas respecter dirigeant, ou pas respecter chef, faut payer son fait. Et pour nous raconter histoire pour nous dire, tu as un homme qui t'a relé Jonas, qui t'a rebellé à notre ordre, et monsieur TPSA, très cher, Zamim Captandem Asweya, qui t'aime dire, l'homme pas Dieu, oui, l'homme pas Dieu, Jean l'homme traité, bon Dieu pas traité, comme ça, Jean l'homme agit avec, bon Dieu pas agit avec, comme ça, Jonas, grâce bon Dieu, apkembe, nan plan, amen, Jonas, grâce bon Dieu, apkembe, nan plan, bon Dieu, voyez, yon gros poisson qui vini, qui valait Jonas. Et là encore, pour Jonas, c'est fini.
Et m'vin comprendre, poisson ça, li pat on poisson naturel, li pat on poisson naturel, c'est bon Dieu lui-même qui intervenu, qui prend la forme de ce gros poisson. Et docteur Blaise Sylvain dirait, c'est un cachalot macrocéphale qui vini, qui engloutit Jonas, qui prend Jonas. Et j'ai l'impression, lorsque Jonas tombait dans d'un poisson, hein, il pensait que poisson en pral mangel, il pensait que poisson en pral crabinel, mais c'était la grâce bon Dieu, c'était la grâce de Dieu qui en action, c'est la grâce de Dieu qui t'a agi dans la vie de son serviteur. Jonas, grâce bon Dieu, a kembe on en plan. Où la grâce de Dieu est intervenue dans la forme d'un gros poisson. La grâce de Dieu est intervenue dans la forme d'un cachalot macrocéphale qui prend Jonas, qui lague Jonas. Mais yon chambre climatisée, yon chambre qui pas fait fret, yon chambre qui pas fait chaud, mais yon chambre avec une température normale. Mes amis, poisson ça, qui c'est bon Dieu lui-même, lui vini. Li prend Jonas, Jonas fait yon jour nan vent poisson, li fait yon nuit nan vent poisson. Mes amis, Jonas fait deux jours nan vent poisson, li fait yon deuxième nuit nan vent poisson. Jonas pa gen anyen, li pa tout fait, li pa mouri. Jonas fait yon troisième jour nan vent poisson. Oh, Jonas fait une troisième nuit nan vent poisson, li pa tout fait, li pa mouri, li pa grand goût, li pa gen anyen krivel, parce que Jonas était dans le ventre de Dieu. Jonas était dans le sein de la grâce de Dieu qui dit, malgré ta désobéissance, malgré ta rébellion, map kembeo nan plan quand même zamim, ou même captain de marsoya, bon Dieu dit ou vle pa vle, lap kembeo nan plan quand même, bon Dieu dit pou me di ou malgré rébellion, malgré péché, lap kembeo nan plan quand même. Les hommes qu'a retiré dans plan yo. Les hommes qu'a retiré nous dans plan yo. Mais bon Dieu, par sa grâce, a kembe ou dans plan. Li le temps pour fixer Dieu sous bon Dieu. Li le temps pour apprendre une relation personnelle avec bon Dieu. Pour connaître celui qui sauve. Ce ne sont pas les hommes, mais c'est Dieu. Les hommes connaissent comment pour traiter lorsque ils ont péché. Ils ont traité avec arrogance. Ils ont traité avec dureté. Ils ont traité avec méchanceté. Ils ont traité avec orgueil. Mais lorsque ils ont péché, bon Dieu lui-même les traite avec amour, avec compassion, avec douceur. Bon Dieu prend Jonas. Li kembel nan plan. Li pa kite l noyé, li pa kite l englouti dans le sein des océans. Et li pa kite non plus on l'autre poisson venu pour capable crabiner son serviteur. Mais lui même en personne, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il est transcendant, il prend forme li vle, il prend aspect vle, il prend aspect en poisson pour sauver son serviteur parce qu'il avait besoin de son serviteur. Dans sa grâce, il vini à main forte et à bras étendus, il bail la vie à son serviteur pour continuer faire le travail. Zami, ou même capitaine de Asoya, qui peut être en contravention avec des principes, soit de l'État, soit de l'Église, ou même qui peut être en contravention avec des principes religieux, ou estimé, ou pas bon assez pour capable venir l'Église, eh bien, qui te me dit, ou assoyez à Zamim, grâce bon Dieu, à kembe ou nan plan. Pour bon Dieu, pas gen ka perdu. Pour bon Dieu, pas gen moun ki péché assez, qui pas mérité la grâce.
la grâce de Dieu l'y déborder. Et c'est pourquoi lorsque Jésus est mort à la croix, lorsque il a percé flanc, il n'a pas de joint sang encore, c'était de l'eau qu'il a joint. C'est-à-dire le Christ a versé tout son sang. La coupe a été pleine, a débordé, pour que n'importe monde qui acceptait le comme sauveur, il est capable de gagner la vie éternelle, quelle que soit condition où il est, Azamim. Quel que soit péché ou commettre la Zamim, quelle que soit situation à vivre la Zamim, bon Dieu dit ou la kembe ou nan plan. Ou même qui t'a remis ba Jésus la vie ou à souya. Nous pral ba yon numéro de téléphone sous écran. Ou même qui t'a remis baptisé, qui t'a remis ba Jésus la vie ou écrit baptisé. Sous téléphone, ou pral wè sous écran, écrit baptisé, ou capable écrit sous WhatsApp, ou bien direct, ou capable rele sous téléphone ça, et dit écrit baptisé parce que ou ta remè entré dans plan bon Dieu. Pas occupé moun kap di ou fait trop, bon Dieu pas besoin. Oui, l'église kap a besoin, l'homme kap a besoin, mais bon Dieu besoin parce que ou c'est petit li. Écrit, baptisé, sous numéro, ou pral wè qui paraît là. Ou va rele, si ou vle. Et comme ça, ou va mande baptême parce que le plan de Dieu li pour tout moun qui croit dans li. Le plan de Dieu li pour tout moun qui vle faire volonté. Même le, ça a gagné des années ou t'as rebellé contre sa volonté. Mais assoya, le temps de grâce li rive. Le numéro c'est plus un. 6 31 9 49 69 64 plus 1 6 31 9 49 69 64 ou même qui t'a aimé recevoir prière ou va écrire but de prière à numéro ça et ou va placer but de prière zamim même Jean la grâce de Dieu l'y était active dans la vie de Jonas. La grâce de Dieu l'y a activé dans ta vie aussi. Pas occupé moun kap di ou c'est fini. Pas occupé moun kap di ou les hommes pas besoin encore. Ou t'es nommé l'église, yo di ou pas nommé encore. Eh bien, ça fait yo. Mais konnen que bon Dieu l'y gagne un plan pour vous. Bon Dieu l'a restauré ou et l'a fait ou mette rad. L'a fait ou mette robe de gloire. Même Jean l'y était habillé, le fils prodigue. L'a mette zano, excellence nan doit tout. L'a mette soulier nan pied ou l'a préparé ou. Ça l'homme pas qu'à faire. Bon Dieu a fait. Ça l'homme pas v'le faire. Bon Dieu a fait. Si c'était pour moi, Jonas t'a perdu. Si c'était pour vous, Jonas t'a perdu. Mais la grâce de Dieu, li pi fort passé les jugements humains. La grâce de Dieu, li incomparable au jugement des hommes. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Zamim, m'invite à tourner dans le plan bon Dieu. Et m'a dit où ça soya. Si vous êtes dans le plan bon Dieu, c'est pas vous qui décidez, mais c'est la grâce de Dieu. Ou l'esprit mandem pour me dire assoya ou même qui rete l'église là c'est pas parce qu'on veut rete l'église là non mais c'est grâce bon Dieu kembe ou yo fort trop abus yo parler mal ou trop yo maltraite ou trop oui yo humilie ou trop ou rete ou dit si me pas gain fiel me t'a quitté l'église là non c'est pas fiel ou gain c'est grâce bon Dieu kembe ou parce que lui dit faut rete là sous fiel méchant yo faut rete là sous fiel adversaire parce que quand t'as sauvé faut sauver Jonas c'était un message pour le bail malgré rébellion bon Dieu dit mon frère ou a prêcher quand même parce que me choisis pour prêcher même si ou pas vle même si ou pas vle grâce moins plus fort gardez côté ou tuer tête tout ou payer l'argent ou prend bateau ou descendre ou al dormir ou faire ou laguer ou dans la mer mon frère ou péri oui mais ma grâce te suffit cette grâce qui a été accordée à Jonas zanmim. Vous êtes aussi adressé.
La grâce que Jonas t'a bénéficié à soi en même. Bon Dieu dit, grâce ça, lui accordé à vous-même. Maintenant, il suffit que vous preniez conscience et tournez pour capable faire la volonté de Dieu. Et lorsque Jonas recote le sorti, 3 jours, 3 nuits dans 20 poissons, et bon Dieu, pral rebay monsieur, message là, dans chapitre 3, il dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi à Ninive, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et au verset 3, il est dit, et Jonas se leva et alla à Ninive. Jonas prend le son, hein? Jonas apprend le son, hein? La pagne courait encore, la pagne rébellion encore. Bon Dieu dit, allez, parce que l'on campé en face, bon Dieu, l'on campé en face, toi, c'est où campé ça, l'on campé en face, l'Éternel. C'est où qu'a pris ça? Depuis mon Dieu parler, c'est agir. Depuis il dit à droite, c'est à droite. Depuis il dit à gauche, c'est à gauche. Parce que l'on campait en face, mon Dieu, ça, c'est où qu'a pris ça? Zamim, après expérience au fin fait dans le monde là, où est le monde là, pas gagné rien. Bon Dieu, réitéré, appelle-lui à soi pour le dire, lève-toi et suis-moi. Ou même Zamim qui te dit, ou pas travailler l'église là encore, parce que vous faites trop. Eh bien, en ce soir, bon Dieu a dit, lève-toi et suis-moi. Ou même qui te dit, ou pas aider encore, ou pas faire bien encore, parce que l'on aider, c'est ingratitude que ou récolter leur aider yo pas jamais comprendre c'est où payer ça. Et bien bon Dieu dit faut continuer faire bien ou pas besoin qu'on ait même si l'homme pas récompensé ou mais moi même à moi la rétribution à moi la gloire c'est moi qui a bon récompense là même si yo pas comprendre travail ou mais moi même comprendre travail ou continuer faire ça qui bon ou pas besoin qu'on ait est-ce que l'on parler attendez est-ce que l'on dit attendez est-ce que l'on fait bien à comprendre ça. Yo ka parler mal ou mais continuer faire bien continuer aider si lak pas capable parce que c'est mission ça bon Dieu bon continuer prêcher parce que bon Dieu bon mission ça continuer travailler parce que c'est votre mission ou pas faire pour moun ou pas faire pour moun et même bon Dieu dit ou ça non Matthieu 24 verset 14 cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage gen bagay ou fait ou pas faire pour moun converti mais ou faire pour le témoignage parce que bon Dieu mandé pour faire bon Dieu dit ou fais bien il dit ou aider si là pas capable aider yo ou pas besoin qu'on ait comment yo pral interpréter ça est-ce que yo pral comprendre nous est-ce que yo pral battre bravo oui yo capable bat bravo, mais bon Dieu lui-même l'a récompensé autant voulu, autant marqué. C'est une grâce de servir Dieu. C'est une grâce de faire la volonté de Dieu. C'est une grâce de prêcher l'évangile en parole, en action ou en œuvre. Ça n'est l'évangile humanitaire, la bienfaisance. N'importe Jean ou Kafel, c'est fait parce que c'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Il faut vivre de cette grâce. Seigneur, pas quitter mon tête moins. Seigneur, pas quitter penser pio. Fais piti. Tout petit devant parce que on dit mon qui monte ou a baissé. Mais mon qui baisse bien bas ou a levé. Seigneur, pas quitter mon tête. Seigneur, pas quitter. Seigneur, pas quitter ou passer. Seigneur, pas quitter.
paske yo ti moun ki monte ou abese. E moun ki pese bien ba ou aleve. C'est grâce, c'est grâce, c'est grâce souffert. C'est grâce souffert. Parler de nous comme de fait déjà. Mais bon Dieu, fais grâce ou là. C'est grâce ou femme. Vous avez en prison. Mais bon Dieu, fais grâce. C'est grâce ou femme. C'est grâce ou femme. Vous avez dans l'asile communal. Mon Dieu, fais grâce. Vous avez l'hôpital. C'est grâce, mon Dieu, fais. Oui. C'est grâce ou femme. Puis vous avez coupé. Vous avez sans pied, sans main. Mais bon Dieu, fais grâce. C'est grâce ou femme. Déjà, on t'a dû répéter, mon Dieu, fais grâce. Oui. C'est grâce ou femme. Mais pas rien. Bon, dis-le de Dieu déjà, c'est grâce, mon Dieu, fais. C'est grâce ou femme. C'est grâce ou femme. C'est grâce. Bah Jésus la vie aux amis. Écris numéro ça. Et dis Jésus, pour grâce ou faire, moi vais servir. C'est grâce ou faire. C'est grâce ou faire. Oh, si vous gardez là, son grâce. Si vous avez téléphone, ça non, mais on son grâce. Si vous devant télévision, ça son grâce. Bon Dieu, vous laissez sauver, on son grâce. C'est grâce ou faire. Moi pas. Jésus l'a dit, on est baptisé, sauvé. C'est grâce ou femme. C'est grâce ou femme. Si vous carrez l'église, toujours son grâce, mon Dieu fait. C'est grâce ou femme. On pas fin pour ça, c'est grâce, mon Dieu fait. C'est pour t'aller déjà. C'est pour t'es chuté déjà, on t'es quitté déjà. Et mon Dieu fait grâce ou là. Parce que le baiser vous sauvez. C'est grâce, c'est grâce, c'est grâce, c'est grâce, c'est grâce. C'est grâce ou femme. C'est grâce. C'est grâce. Et climatisé parce que mon Dieu fait grâce. Et faut servir. C'est grâce ou femme. Moi pas. Que Dieu vous bénisse. Zanmim, par contre, qui plomb fait pour 2024? Mais MEODH a rappelé que moun qui rete dans plan bon Dieu pas jamais échoué. C'est sous thème ça que MEODH pral organiser une grosse semaine rafraîchissement spirituel sorti 17 pour arriver 23 décembre 2023 à partir 4h30 dans Aswe. Ah oui! Avec pasteur Fredson Luidor, live sous toute plateforme MEODH. Fais plan pour là et puis. Gaye nouvelle là parce que sauté pompé moun ki rete nan plan mon Dieu pas jam échoué. Conscient de ça, mon Dieu a fait dans la vie nous, et nous conscient de ça, la continuer faire dans la vie nous. Eh bien, pour tout combat que nous entreprenons, pour tout ça, pour toute guerre que nous entrons là-dedans, guerre spirituelle, eh bien physique, mon Dieu lui-même, faut nous toujours camper avec lui-même parce que lui-même est toujours là pour nous, l'a garder nous, l'a protéger nous. Eh bien, nous-mêmes. N'a continuer quoi dans lui et nous connaît que si nous était dans plan papa nous qui dans ciel là et ben nous pas jamais échouer si nous croit que nous pas jamais échouer nous va chanter ensemble le numéro 529 debout pour la sainte guerre le mal est grand encore nous va aller soldats de l'éternel pas jamais fatigué nous va aller chanter ensemble nous va aller en avant tous en avant parce que papa nous lui-même est tout puissant nous va chanter parce que bon Dieu lui-même est puissant oui nous va chanter
dans guerre ça que nous allons entreprendre dans guerre spirituelle ça que nous y a et bon Dieu lui-même lui gagne pour côté la victoire parce que lui-même il a tête l'armée pour nous il a tête l'armée il campe là il campe de jambe et il dit non oui il pas péché debout pour la sainte guerre le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus d'un frère, suit un chemin de mort, oui, en avant, en avant, et notre chef est tout puissant, nos armes sont la prière, l'amour percé, debout pour la sainte guerre. Debout pour la sainte guerre, ranimons notre ardeur, avec la croix, qui ne serait vainqueur, avec papa nous qui campait notre tête, la mais ça comment vous n'avez pas guerre, en avant, tous en avant, notre chef est tout puissant, puis nos armes sont la prière. L'amour percé. Debout pour la sainte guerre. Debout pour la sainte guerre. Soyons unis et forts. Une charité sincère. Président nos efforts. Chantez tout en avant. Oui, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Ô Dieu, pour la sainte guerre, revêt nous tous en Christ. Des armes de la lumière, des dons de ton esprit. En avant, tous en avant. Notre chef est tout puissant, nos armes sont la prière. L'amour persévérant nos armes sont la prière. Oui, Zabou, c'est la prière. Allez, on nous continue à prier. Zip, qui ça vous? Oui, nos armes sont la prière. L'amour persévérant. Zabou, c'est la prière. Allez. Nos âmes sont le lieu 4-6, nous attendons le soleil glorieux. Nous attendons le sauveur glorieux. D'un cœur joyeux rempli de confiance, il va régner sur la terre et les cieux. Dans le beau jour de notre délivrance, voir face à face notre sauveur. Quel parfait bonheur autour de lui. Nous retrouverons un clin d'œil formé à son image, à sa rencontre. Ensemble nous irons et le servir. Notre sauveur, quel parfait bonheur, tout près de lui nous pouvons approcher. Tout près de lui nous pouvons approcher notre mère par la saine tenue. Dans les le Saint qui fera bon marché. Après la foi pour toujours pour la vie. Quelle parfait bonheur, cette cohorte sort.
ta tu vois des tenir d'une main forte l'étendard de la croix au sentier de la gloire Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui la trompette résonne. La trompette résonne. Debout vaillant soldat. Debout vaillant soldat. On a élevé devant. Il montait le courant. Et depuis les combats. Depuis les combats. S'il est, s'il est demi fer à je soyez vers des efforts. Redouble l'effort debout pour la bataille, pour la bataille. Partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus de l'armure, de l'armure invincible. Soldats, revêtez-vous. Possible pour qui lutte à genoux, debout, debout encore, debout encore, lutter jusqu'au matin, lutter jusqu'au matin, déjà brilleux dehors, déjà brilleux dehors, à l'horizon lointain, bientôt, bientôt je tends nos armes, au pied du roi des rois. De notre âme, c'est à Dieu, jusqu'à la mort, nous se serons fidèles. Le trône après la croix, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous serons pour bannière. Ta croix sanglante, ton Christ ressuscité pour toi. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins avec toi, semble doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière. Ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais au sauveur, tu sais notre faiblesse. Nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons pas la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, au Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide, nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime. Sur la mort même, un peuple de vainqueur. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Aura bientôt disparu le jour d'air. Là-bas à l'horizon, notre port apparaît. Bientôt nous toucherons au terme du voyage. Par de l'eau penchant, nous irons. Poussons au bord, poussons au bord, matelot droit au bord. Ne craignons pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous voulerons le sol. Confiance au pilote, ami, mais en lui seul. Si tu bouilles.
Alléluia sur nous s'étend les frères et sœurs. Si l'ouragan s'élève et qu'il tonne et qu'il gronde, ouais, le peur avec nous est le maître du monde. Poussons au bord, matelot, droit au bord. Ne craignons pas les mauvais amphibies. Notre pilote est l'amour, guidez notre effort. Bientôt nous foulerons le sang de voici du matin, mais voici du matin le lever radieux. Les ombres de la nuit s'effacent dans les yeux. Tout danger est passé, notre course est finie. Gloire et louange soit à Dieu qui l'a béni. Poussons au port, matelot, droit au bord. Ne craignons pas les vagues amphibies. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous foulerons le sang de poussons la patrie. Poussons au bord, poussons au bord, matelot, droit au bord. Ne craignons pas les vagues amphibies. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous foulerons le sang de la patrie. Poussons au bord, poussons au bord, matelot, droit au bord. Ne craignons pas les vagues amphibies. Notre pilote est là pour guider le notre effort. Matelot voyage vers le bord éternel. Descend de la patrie. Matelot en voyage vers le bord éternel. Si tu viens un orage, pensons au rivage. Pensons au doux rivage. Notre port est au ciel. Combe tout force,
t'as tombé ton force en le moment. Quand toi ma paix, quand toi ma paix, sois parfaite, sois mon rocher, ô Dieu fort dans la tempête. Nous croyons que mon Dieu même il campé là, il toujours campé avec nous. Nous croyons que dans le combat ça que nous mener, dans le combat ça que nous toujours là-dedans, et bien mon Dieu même il gagne pour lui porter la victoire pour nous parce que nous même dans le plan mon Dieu que nous y a, nous pas jamais échouer. Nous croyons dans ça et au nom de Jésus. Amen. Zanmim, m'pa konn ki plan fait pour 2024, mais MEODH a rappelé que monde qui était dans le plan mon Dieu pas jamais échouer. C'est sous thème ça que MEODH pral organiser une grosse semaine rafraîchissement spirituel sorti 17 pour arriver 23 décembre 2023 à partir 4h30 dans la soirée. Ah oui, avec pasteur Fred Louidor live sur toute plateforme MEODH. Fais plan pour là et puis gagne nouvelle là parce que sauter pompé moun qui était dans plan mon Dieu pas jamais échoué. C'est peut-être ça, mon Dieu l'avait provoqué tout notre nom. Il balle un nom qui dépassait tout notre nom. Comme ça, les nous citer nous ça, tout chez nous réfléchit devant. À